Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Footsen. Aujourd'hui, on va vous donner une liste des 10 gros transferts qui sont déjà officialisés. Avant même l'ouverture officielle du mercato, plusieurs grands clubs ont déjà confirmé la venue de nouveaux joueurs avec des sommes records. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous débutons cette vidéo par le coup de ce mercato réalisé par Manchester City de Pep Guardiola. Les Citizens ont recruté l'un des meilleurs attaquants du monde, Erling Haaland. Le géant norvégien arrive en provenance du Borussia Dortmund pour une somme de 60 millions d'euros. On pourrait dire un cadeau vu le potentiel de Haaland et tout ce qu'il a montré à Dortmund. L'attaquant de 21 ans a inscrit 86 buts en 89 matchs avec les jeunes et noirs. Dans la foulée de l'annonce du départ de Haaland, le Borussia Dortmund a annoncé l'arrivée d'un autre talent, Karim Adeyemi, qui signe pour 30 millions d'euros. Après une belle saison réalisée au Red Bull Salzbourg avec 23 buts inscrits toutes compétitions confondues, Adeyemi retourne dans son pays de naissance qui est l'Allemagne. L'ailier gauche de 20 ans signe un contrat de 5 ans avec son nouveau club. Après l'échec Kylian Mbappé, le Real Madrid cherche toujours à montrer sa force dans le mercato des transferts. Les merengues viennent de faire deux gros coups dans ce mercato. D'abord, Antonio Rüdiger, le défenseur allemand de 29 ans qui vient d'arriver. En fin de contrat avec les Blues de Chelsea, Rüdiger a décidé de quitter l'Angleterre pour l'Espagne. Il signe librement au Real Madrid pour un contrat de 4 ans. Florentino Pérez n'a pas eu le français qu'il voulait, mais il a quand même pu attirer un autre talent français. Il s'agit d'Aurélien Tchouaméni. Après une belle saison avec l'AS Monaco, Tchouaméni part chez les champions d'Europe 2021-2022. Le Real Madrid a mis sur la table une somme de 80 millions d'euros, plus 20 millions d'euros pour les bonus pour recruter Tchouaméni. Le natif de Rouen a signé un contrat de 6 ans, ce qui le lie avec les merengues jusqu'en juin 2028. L'année prochaine, le Real Madrid aura un milieu de terrain de dingue avec Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, mais également Aurélien Tchouaméni. On poursuit avec la pépite néerlandaise Ryan Gravenberch qui rejoint le Bayern Munich. Le milieu défensif de 20 ans quitte l'Ajax d'Amsterdam pour aller découvrir le championnat allemand. Les Bavarois ont dépensé 18 millions d'euros pour signer le néerlandais pour 5 ans. Un autre joueur de l'Ajax qui signe au Bayern Munich, c'est Nusser Mazraoui. En fin de contrat, le Marocain de 24 ans a décidé de changer d'air, lui qui est né aux Pays-Bas. Après avoir eu un accord avec le FC Barcelone, il a changé d'avis et a signé avec le Bayern Munich pour les 4 prochaines années. Un autre attaquant géant qui va découvrir la Premier League après Haaland, c'est Darwin Núñez, l'attaquant du Benfica Lisbonne. Le Colombien de 22 ans a inscrit 34 buts, toutes compétitions confondues avec le club portugais cette saison. Darwin Núñez va jouer la saison prochaine avec Liverpool de Jurgen Klopp. Les Reds ont dépensé 75 millions d'euros pour attirer le joueur et il signe un contrat de 5 ans. En prêt à Aston Villa depuis janvier, Philippe Coutinho restera en Angleterre pour les prochaines années. Avec son prêt réussi, les Villains ont donné 20 millions d'euros au Barça pour garder Coutinho. Le Brésilien de 30 ans a signé pour les 4 prochaines années avec Aston Villa. L'avant-dernier transfert de cette vidéo, c'est la signature d'Ivan Perisic à Tottenham. À 33 ans, Perisic rejoint son ancien coach à l'Inter de Milan qui est Antonio Conte. En fin de contrat, Perisic va jouer pour la première fois en Angleterre. Il a un contrat qui expire en 2025. On termine avec le retour d'Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais.
lui aussi était en fin de contrat avec Arsenal. À 33 ans, il a décidé de retourner chez son club formateur où il a déjà brillé avant d'aller en Angleterre. Il signe pour 3 ans chez les Gones. On s'arrête là pour ce sujet. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Footscene.